Bonjour les amis contes, ici Angélique Barbry pour la chaîne Contes et Cookies. Je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire. Prêt pour ce voyage? Choisissez une position confortable. Détendez-vous. Fermez les yeux. Ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter. Aujourd'hui, un conte des frères Grimm. Ce conte s'appelle Faute d'un clou. Un marchand avait fait de bonnes affaires à la foire. Toutes ses marchandises étaient vendues et sa bourse était remplie d'or et d'argent. Comme il voulait se mettre en route pour arriver avant la nuit, il serra son argent dans la valise, la chargea derrière la selle et monta à cheval. À midi, il s'arrêta dans une ville. Il allait repartir quand le valet d'écurie qui lui amena son cheval lui dit « Monsieur, il manque à votre cheval un clou de fer du pied gauche de derrière. » C'est bien. Le fer tiendra encore pour 6 lieues qui me restent à faire. Je suis pressé, répondit le marchand. Dans l'après-midi, il descendit encore pour faire manger un peu de pain à son cheval. Le palefrenier vint le trouver et lui dit: Monsieur, votre cheval est déféré du pied gauche de derrière. Faut-il le conduire au maréchal? Non, pour 2 lieues qui me restent à faire, mon cheval ira encore ainsi. Je suis pressé, répondit le maître. Il remonta et partit. Mais peu après, le cheval commença à boiter. Un peu plus loin encore, il se mit à broncher. Mais il ne broncha pas longtemps, car il tomba bientôt, avec une jambe cassée. Le marchand fut obligé de laisser là la bête, de détacher sa valise et, la prenant sur son épaule, de gagner à pied son logis, où il n'arriva que tard dans la nuit. Ce maudit clou qu'on néglige est cause de tous les malheurs, murmurait-il en lui-même. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain. Au revoir, les amis contes.